Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un moment que je vous ai pas sorti de vidéo. Pourtant, c'est pas les sujets qui manquent. Il y a eu pas mal de choses. Mais voilà, je manque clairement de temps. J'avais gros besoin de vacances. Donc le mois d'août, ça a vraiment fait du bien de partir en vacances. Vraiment hyper fatigué. La rentrée s'est enchaînée. La rentrée, bah, comme toutes les rentrées, c'est bien bien speed. Donc gros manque de temps. Et aussi, bah, j'ai décidé de réaménager un peu mon bureau. Donc j'ai dû faire pas mal de tri, j'ai vendu pas mal de choses, ça m'a pris pas mal de temps. J'ai décidé de changer de PC, ça y est, ça faisait 5 ans que j'avais mon Alienware. Et ben je le change, j'ai pris un autre Alienware, donc j'ai pris un gros écran Alienware 34 pouces. Je vais vous présenter en vidéo plus tard. Et un nouveau PC Alienware qui n'est toujours pas arrivé, je suis bien dégoûté. La date butoir d'arrivée, c'était aujourd'hui. Voilà, bah il n'est pas là, il est, je sais pas, il est la première vue en Pologne, UPS n'a pas encore récupéré l'ordi, donc ouais, j'espère fin de semaine prochaine, allez, j'espère fin de semaine prochaine. Bref, c'est le petit tracas de la rentrée, et donc pour se réconforter, bah, je me suis fait plaisir, je me suis pris un nouveau jeu sur MSX, voilà, ça fait toujours plaisir un nouveau jeu sur MSX. Donc ce jeu c'est Binary Land, c'est développé par un français, c'est développé par Eric, je dis français, hein, en tout cas francophone, mais je crois qu'il est français. Qui avait déjà écrit le livre sur MSX que je vous ai présenté en vidéo. Et donc avec le jeu, il y avait trop mignon, petite peluche. Donc je vais la déballer, je vais la mettre sur mon Turbo Air. La boîte du jeu. Hop. Le jeu est vraiment sympa, je l'ai testé vite fait. Je manque de temps, mais j'ai eu le temps de la tester vite fait. Donc je l'ai déballé, hein. J'ai juste remis là pour la vidéo. Hop. Les petites infos. Ici. Non, je ne vais pas déballer. Moi, si, parce que je ne vais pas en choix pour les cartes. Donc, je vais l'ouvrir. Hop. Tic. Mince, il n'a pas fait un nœud magique. C'est pas grave. Allez, hop. Là, j'en ai déjà vendu un. J'ai pas pu résister. Ce sont des petits bonbons. Ça fait toujours plaisir. Des petits bonbons. Donc, il y a des cœurs. J'ai déjà mangé un cœur. Et puis. C'est petit bonbon comme ça. Ça, c'est toujours sympa. Le jeu. Hop. Voilà, la cartouche de jeu. Ça se trouve hyper belle comme ça, en paillettes. Je vais pas montrer derrière, parce que derrière, il y a un code pour aller récupérer le jeu sous format numérique. Donc, la ROM du jeu. Donc, je vais pas vous partager ça. Et bah, il y a des cartes. Voilà. Je vais pas déballer pour l'instant. Donc je vais mettre la cartouche dans le Turbo Air et je vais vous présenter cela. Donc voilà, je démarre le MSX avec la cartouche à paillettes dedans. C'est parti, donc c'est Epsoft qui présente. Donc c'est développé, on voit que s'il le met Fusion C. S'il y en a qui veulent s'y mettre, je vous conseille cet excellent ouvrage. Voilà, excellent ouvrage, s'il y en a qui veulent bosser sur MSX et sortir des jeux de cette qualité-là, ne pas hésiter. Et donc, juste avant de lancer une partie, je vais quand même vous montrer une petite particularité. Si je démarre et que je maintiens la touche S appuyée. Tadam ! Alors ça, c'est hyper classe, franchement. Vous trouvez pas ça classe ? Le jeu dédicacé à mon nom, je trouve ça vraiment, vraiment nickel. Donc un immense merci pour cette idée, je trouve ça vraiment génial. Donc si vous achetez le jeu en version cartouche, vous pouvez avoir la dédicace à votre nom. Et ça, je trouve ça vraiment génial, c'est le truc qui m'éclate. En plus, il s'est bien fait chier, parce que... Pour chaque jeu, il a dû injecter le nom, flasher la cartouche et tout ça. Là, il n'a pas fait un truc à la chaîne, vraiment. Chaque jeu, il a dû flasher. Je trouve ça vraiment excellent. Donc, le jeu, on peut jouer soit avec Gurin, soit avec Malone. Moi, je prononce Malone. Soit en mode 2 joueurs. Je n'ai pas testé en mode 2 joueurs, ça va être plutôt sympa. Donc, c'est un jeu qui est développé par Hudson Soft à la base. Hudson Soft, des dieux, des dieux. Et donc, ils ont développé ce jeu sur la NES à la base. Et là, c'est un portage sur MSX. Là, en plus, j'aime bien MJBAM en cinquième nom. En quatrième nom, excusez-moi. Je trouve ça... Ouais. C'est le genre de petit détail que j'apprécie beaucoup. Allez, c'est parti. Je vais jouer avec Gurin parce que les deux seules parties que j'ai fait avant, j'ai joué avec Gurin et je suis plus habitué sur ce côté-là de l'écran. Et donc on a deux pingouins. Donc là je vais déjà mourir parce que le fait d'expliquer, vous voyez, il y a le temps en haut qui défile.
Donc il y a deux pingouins. On déplace les deux pingouins en même temps. Pour info, je joue avec ça. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Je vous ai déjà parlé dans une vidéo. Je trouve ça vraiment top pour jouer sur MSX. Donc si je vais à droite, donc le pingouin vert, puisque j'ai décidé de le prendre, bah, lui, il va à droite. Par contre, sa copine en face, bah, elle va dans l'autre sens. Vous voyez, droite-gauche, c'est inversé. Haut, par contre, c'est pareil. Bas, c'est pareil. Mais droite et gauche sont inversés. Et donc, il y a un bouton. Oh, je vais essayer de ne pas mourir. Voilà. Moi, j'ai déjà plus de temps. Donc, il y a un bouton pour tirer. Et le but, c'est d'arriver en haut, tous les deux, au niveau du cœur. Donc, sans mourir. Donc, sans se faire toucher, par exemple, par une araignée. Ou sans se faire capturer. Si, par exemple, là, j'avance. Elle s'est fait capturer. Bah, moi, je peux toujours jouer avec lui. Ou si lui s'est capturé, je peux toujours jouer avec elle. Et il faut bien sûr aller le délivrer en détruisant la toile d'araignée. Bon, plus de temps, voilà, je l'avais dit. Maintenant, je vais faire une vraie partie. Donc, c'est super chouette. Et en plus, il faut vraiment penser à jeter tout le temps un coup d'œil des deux côtés de l'écran. Ah, voilà, je l'ai coincé. C'est vrai, je vais aller la libérer vite fait. Là, c'est un petit peu plus chiant. Non, ça. Hop. Donc là, je me décale au maximum. Voilà, mais tous les deux sur le cœur. Voilà, je trouve ça trop mignon et franchement trop bien. C'est trop classe. Ah, mais oui, forcément, j'ai pas regardé. On peut tout le temps regarder de l'autre côté. Là, je vais... Ah mais oui. Bah oui, forcément. Ah là 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 là, c'est pas grave. Allez hop. C'est le premier niveau. Premier niveau, c'est facile. Donc j'ai pas combien de niveaux en tout. J'ai pas regardé. En plus c'est écrit, hein, c'est écrit sur le site. Je l'ai vu, je l'ai lu, mais c'est surtout, j'ai pas retenu. Ah, là je joue mieux déjà, hop. Donc après il y a des stages bonus aussi. Ah bah voilà, stage bonus. Donc là je joue avec elle, les commandes sont inversées. Enfin, je récupère tous les cœurs si je veux avoir un perfect. Ah bah oui, si je me trompe. Droite gauche. Alors les cartes, j'ai vu que ça donnait des points, mais je sais pas ce que ça fait d'autre. Perfect. Ah, je coince les deux personnages. Donc voilà, je suis mort. C'est tout pour cette vidéo. C'était juste histoire de vous présenter rapidement ce jeu. Je trouve ça génial. Voilà, c'est le genre de jeu que j'adore. Donc un grand merci à lui. Un grand merci à lui pour le portage de ce jeu sur MSX. Un grand merci d'avoir proposé en plus des cartouches. Parce que les cartouches sont vraiment sympas. Avec en plus une dédicace. Bon, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Donc un immense merci. Et je crois qu'il lui reste encore quelques cartouches à vendre. Donc je vais mettre dans le descriptif de la vidéo le lien vers son site. Voilà, vous verrez par vous-même s'il reste des cartouches à vendre. S'il en reste, vous voulez vous faire plaisir, franchement, n'hésitez pas, je trouve ça vraiment génial. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Bye bye tout le monde!